Bonjour et bienvenue pour une découverte sur Redfall, développé par Arkane Austin et édité par Bethesda Softwork. Donc nouveau jeu multijoueur à 4 joueurs, mais on peut aussi jouer en solo si on veut. Mais encore une fois, c'est un peu le type de jeu que si vous jouez pas à plusieurs, vous ratez sûrement beaucoup du fun en fait que ce jeu peut vous procurer. On a 4 personnages à choisir. Moi je suis parti pour le moment sur Rémi de la Rosa, donc l'impétueuse ingénieure ingénieuse. Mais bien sûr il y en a 4, chacun à ses habilités différentes, son style de gameplay, ses armes favorites, etc. etc. Donc ça se veut monde ouvert, jeu à la première personne, de tir, et on combat des vampires. Donc il va avoir une mécanique de jour-nuit et combattre les vampires et tout ça. Tout ce qu'on connaît en fait sur les vampires évidemment. Donc ouais, on va découvrir ça ensemble. Honnêtement, j'ai passé une heure dessus pour le moment. J'aime beaucoup le feeling du gameplay en fait, est bien bon, le genre les tirs et tout ça. J'ai pas encore débloqué énormément d'habilités tout ça, donc j'ai pas pu vraiment jouer trop en fait avec les habilités, mais pour le moment le jeu tourne bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de ralentissement, il n'y a pas eu de crash et tout ça, parce qu'en ce moment il y a un peu des problèmes avec les jeux sur PC. En tout cas personnellement moi je joue donc sur PC avec le PC Game Pass, il est disponible aussi sur Xbox si vous préférez les consoles. Et donc voilà, on va découvrir ça ensemble, mais ouais, pour le moment ça promet de bonnes choses, et bien sûr je ferai d'autres vidéos, sûrement même des streams par la suite, où je jouerai avec d'autres personnes pour que on ait vraiment ce côté en fait fun du multijoueur de Redfall. Donc voilà, j'espère que vous aimerez. En tout cas, on se retrouve à la fin de la vidéo. Ce qui s'est passé à Redfall est de ma faute. C'était une ville agréable avant. À mon arrivée ici, j'ai pensé pouvoir aider. Ils disaient qu'une goutte de mon sang pouvait tout changer. Libérer les gens de la maladie. Peut-être même de la mort. Un monde où personne n'aurait été laissé pour compte. L'abondance, la vie, ruisselant partout. J'étais naïve. Ils n'étaient que des monstres. Ils ont pris bien plus qu'une goutte. Ils ont tout pris. Et maintenant, le mal engloutit cet endroit petit à petit. Quand les habitants ont fini par réaliser ce qui se passait, c'était déjà trop tard. Les gens se sont jetés les uns sur les autres, suppliant les monstres de les épargner. Certains se sont cachés, effrayés, attendant des secours qui n'arriveront pas. D'autres ont essayé de s'échapper. Mais les créatures à l'origine de tout ça les ont empêchés. Il n'y a nulle part où aller. Personne n'imagine que les choses peuvent tourner si mal. Jusqu'à ce que ça arrive. Et alors, c'est trop tard. Mais une poignée de gens commence à riposter. Je crois qu'ils peuvent sauver cet endroit. Il n'y a qu'un seul obstacle sur leur chemin. Toute une ville pleine de vampires. Elle arrive. Elle voudra voir par elle-même.
Vous ne pouvez pas vous éloigner de moi. Personne ne le peut. Vous nous appartenez tous. Tous les autres veulent votre mort. Mais je vous veux ici. Vivant. J'ai besoin de vous. Plus jamais, vous ne verrez le soleil. Brivan? On se bouge, mon gars. Le bateau est foutu. Barrons-nous d'ici avant que la nuit tombe. Si ces monstres refusent de nous laisser partir, alors on va devoir rester ici et se battre. Ok, on va commencer notre petite session de Redfall. C'est le capitaine. C'est à lui que j'ai parlé quand je planifiais l'évacuation. C'est le capitaine, ça. Okay. Lire. Alors, une vingtaine d'âmes confirmées et prêtes à évacuer cet enfer. La plupart vont bien, quelques blessés. Rendez-vous juste après minuit. Je vous donnerai le mot de passe avant l'embarquement. Le jeu tourne bien pour le moment, c'est cool. Sympa, ça va. Alors, T pour allumer et éteindre la lampe torche. On va devoir corriger tout ça, je pense, à un moment ou à un autre, que ça va pas être pratique. On devrait récupérer ses fournitures médicales. Ça marche. Oh, bonjour. Alors, armoire pharmacie. Soins x3, indispensable. Pour vous soigner, vous et vos partenaires, ça marche. Est-ce qu'on peut voir notre sac ? J'aime bien mon personnage. J'aime bien. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est les... Ok, trois emplacements d'armes, j'imagine. Ah, pardon. Trois emplacements d'armes. Crâne de lieutenant, porte-clé, sac à dos. Type de munitions, j'imagine. Progression pour déverrouiller un emplacement de vestiges de dieu. Ok. Il a l'air d'avoir pas mal de choses. Ah, les compétences vont sûrement venir après. Ça, c'est la carte. Welcome to Redfall. Mission, s'enfuir du ferry. Ok, j'aime bien le menu est cool pour le moment. Le menu est cool, simple et tout ça, c'est cool. Personnalisé. J'ai vu qu'on pouvait changer, ouais, tout plein de trucs. On n'a rien pour le moment. On n'a strictement rien. Madre mia. Madre mia. Alors, je comprends que vous êtes sans nouvelles de votre mari depuis 10 jours, mais toutes les possibilités n'ont sans doute pas été explorées. Parler à ses collègues ou à ses amis, qu'il se soit enfui avec une autre, toutes mes excuses, mais je suis spécialisé dans les affaires de divorce, ou qu'il ait trop bu et soit tombé sur une hélice de chalutier. Faut quand même y aller hein, pour tomber sur une hélice. Hein. Je ne devrais pas avoir à vous rappeler que des papiers de divorce doivent être signés en temps et en heure, dans l'attente de vous voir tous les deux pour notre prochain rendez-vous, après les papiers signés. Évidemment, s'il lui était effectivement arrivé quelque chose d'horrible, ce sera une autre affaire, une affaire pour la police de Redfall. Cordialement, Matthew Harrison Garnet, 3, avocat de la cour. Oh, 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 on peut sauter ? Oui, on peut sauter. Oh, munitions, pistolet, yes. À la vitesse où vont les choses, un flingue alors, fera pas de mal. Passe de combat, recharger, vous mettre à couvert. Lors des échanges de tir, on ne sert à rien contre les ennemis au corps à corps face à eux. Restez en mouvement, éloignez-vous. S'ils sont trop proches, mettez sur F pour frapper au corps à corps. Ça marche. Choup. Ok. Sympa, 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 sympa. Alors... Je vous vois regarder par ma fenêtre et coller votre oreille à ma porte. Vous êtes très loin d'imaginer ce qu'il est sur le point d'arriver. Vous pouvez rester à Redfall, découvrir la vérité, devenir l'un des nôtres invincibles. Il existe aussi une alternative, mais je doute que vous souhaiteriez la découvrir. Nous attendons. On va augmenter un peu la sensibilité de la souris, par contre.
Clavier, sensibilité de la souris. Piou piou piou. Petit petit coup. Ok, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Ah, ça, par contre, ça me fait stresser, moi, de voir l'eau comme ça, figée autour. Ok, on a la boussole qui est en haut maintenant. On peut descendre. Oh putain, il m'a fait peur ce coup. Je pensais qu'on pourrait les sauver. Porte verrouillée, utiliser le crochetage. Ok. Comment ça, c'est. C'est Bridon, notre petit robot. Ah, je vais devoir apprendre l'italien, l'espagnol. P. Ok, on va changer ça aussi. Ah. Oh. Maintenant, on sait où a disparu tout l'eau de la mer. Oh. Ok, on va partir. J'aime pas ça. C'est horrible. C'est horrible pour moi. Mais c'est classe. Mais c'est classe au moins. Utiliser, briser la vitre. Voilà. Ok, cool. On va faire un petit tour en haut. ABC. Qu'est-ce qu'ils ont fait au soleil? Tu veux voir? J'ai pas vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait au soleil? Putain, ah, une éclipse. J'ai tué le soleil. Oh. J'ai brisé l'aube. J'imagine que chaque personnage a différents débuts. Faudra que je vérifie ça. Oh. Ce sont des connards qui font vivre un enfer aux habitants de l'île. Alors. Ça fait leur foncer dessus. Ou passer sans me faire voir. Ok, les ennemis réagiront également aux tirs d'armes à feu, explosions, les alarmes, ainsi qu'un bruit. Si un ennemi vous repère, vous pouvez prendre la fuite jusqu'à... Merde! La peur. Mais j'ai pas le temps de lire là-bas. Bon, du coup, on va combattre. Wow, il y en a beaucoup quand même. Tiens, c'est à prendre. Ah, aïe. Faut quelque chose. Ok, on a des balles. Bonne sieste éternelle, Rinjo. C'était notre premier combat. Est-ce qu'on a récupéré des autres armes? Non, pour le moment. Ok, matériel de soins, munitions de fusil d'assaut. Ok, cool. C'est bien, ça récupère automatiquement quand on passe à côté des cadavres, ça c'est cool. Sauf les choses qui sont déjà par terre, apparemment. C'est un marteau. En plein soin. On peut se soigner? C'est quoi se soigner? W. Ça va mieux. Ok. Je crois qu'on a une arme de corps à corps. Je sais pas exactement. On va voir un peu. Sac à dos. On a juste le 1000 pattes. Ok. Dégâts, cadence de tir, taux de recharge. Taille du chargeur, ça marche. Détail, fais voir un peu. On peut changer l'apparence, on peut rajouter un pieu. Ok, bon après on combat des vampires, ça a du sens. Alors, utiliser le crochetage, ok. Ça marche. Pour le moment, c'est sympa. J'aime bien le feeling. Le feeling est cool des combats. Il nous faudrait des armes automatiques et tout ça. On va sûrement en trouver assez vite. Okay. Plein de trucs à ramasser! Oh mon dieu!
vraiment plein de trucs en fait. Ok, on est full vie. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Un deuxième, c'est les mêmes stats. Ok, c'est les mêmes stats, très bien. On n'a rien d'autre. Par contre, on a récupéré genre... genre marteau, tout ça, c'est quoi? C'est des ressources. Je dois juste voir ça. Ouais, on va juste avancer, j'ai pas envie de passer 3 heures dans l'inventaire. Ok, je peux te donner un ordre d'aller quelque part, toi, ou pas? Non, je crois que j'ai pas encore de... Je crois que j'ai aucune compétence encore. Ouh, c'est quoi ça, cette brume? C'est quoi ça? J'ai encore leur goût de sang dans la bouche. Clé de l'embarcadère du ferry. J'ai utilisé le crochetage. Ok, grenade. C'est quoi ça? Câble ravitaillement, je vois un peu. Clé de l'embarcadère du ferry. Est-ce qu'on devrait revenir en arrière? Pas. Est-ce qu'on devrait revenir en... Est-ce qu'on avait des caisses à ouvrir? Je vais juste faire un petit tour vite fait. J'aime bien parce qu'on peut aller un peu n'importe où, c'est cool. Genre, c'est... en théorie, ça devrait pas être un jeu linéaire. Pas trop, en tout cas. C'est... ça se veut open world et tout ça, exploration, machin. Donc, ça devrait être bon. On avait un coffre, je crois, dans le bateau. Oh, on a un coffre là aussi. Est-ce qu'on peut... Elle peut... Ouais, elle s'accroche, ok, c'est bon. Nickel. Oh mon dieu. Je crois qu'on avait un coffre dans le ferry. Je vais voir. Ah, c'était ouf. Ça c'est pour lire. Je me rappelle plus où on avait vu un coffre. Je ne me rappelle plus. Oh. Oh. Yeah, let's go. Let's go, fais voir, attends. On a eu le ravin. Le ravine, peut-être. Utiliser fusil de chasse semi-automatique. Dégâts 9. Ok, on a mis en 1. Après, les autres, c'est tous les mêmes. Ok, ça marche. Cool. J'espère qu'on pourra... Attention, détail, fais voir. Ouais. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de... Oh, il y a un pieu. Oh, ok, cool. Le pieu-pieu, quand on ne sait plus à quel pieu se vouer. Ok, c'est marrant, ça. C'est marrant. Comment on donne un coup de pieu? Ah, c'est peut-être... Je crois que c'est peut-être des attaques... Attends, il fait nuit par contre. Oh, ça va être la merde. Je crois qu'on peut faire des sortes de finishers ou un truc comme ça. On peut aller là. Les mixtes. Ouais, ça c'est juste de l'argent en fait. On a plein de types d'objets, je pense que c'est juste pour récupérer de l'argent. Bah, rien que le fait de pouvoir se balader là comme ce que je suis en train de faire, c'est cool. Oh. Ouais, rien que le fait de pouvoir faire ça, c'est plutôt sympa. De pouvoir explorer les zones et tout. Ouh, il y a écrit quoi? Screaming is louder, closer. Deep voice shouting. About blood trance. Okay. On a trouvé des secrets.
Ok. Une clé supplémentaire, c'est cool. Est-ce qu'on les garde, les clés? Non, ok, ok, ça marche. Oh, j'avais même pas vu ça. Ouh! Bingo! Non, il faut du crochetage pour ça, ça marche. Bon, on reviendra faire un tour, je pense, ici. On va avancer un peu, parce que bon, on va pas rester non plus dans le même lieu tout le temps. Mais sympa. Très sympa pour le moment. Allez, on y va, Bilbo. Par contre, on est en pleine nuit maintenant. On va devoir faire gaffe, j'imagine. Donc il y a un cycle jour-nuit. Ou enfin, après, on est encore... J'ai envie de dire, on est encore un peu dans le tuto. Hein. Donc c'est possible que ça soit différent après dans le jeu. Chut, arrête de faire du bruit. Kit de crochetage. Ah, on pourrait revenir pour aller ouvrir le coffre. J'aime bien l'ambiance. J'avais peur que ça soit un peu un Left 4 Dead ou Back 4 Blood et tout ça. Mais ça a l'air un peu plus libre en fait. Donc ça j'aime bien. Ok. Let's go. Magnifique. C'est quoi ça? On peut pas le prendre, pourquoi? Peut-être qu'on est plein, je sais pas. Waouh, tous les... Je pense pas que ça soit des mouettes, ça, par contre. Peut-être, j'en sais rien. On est un peu loin. L'ambiance est cool. J'avais un peu peur que ça soit pas assez, genre, un peu horreur et tout. Mais en fait, ça va. Il y a un petit côté... Parce que après, quand on joue seul, ça va être très, très différent que quand on joue à plusieurs, hein, évidemment. Mais ouais, il y a un petit côté... côté survie sympathique. Wow. Oh. Des fusées de détresse. Quelqu'un a besoin d'aide. Il faut qu'on atteigne la caserne. Poing poing. Allumer la... Éteindre la lampe torche. J'ai... Tête à taper chaque marche que t'as prise, espèce de con. Et ils ne veulent le sang que de personnes encore en vie. Regarde-la, elle respire même plus. Je crois qu'elle était déjà morte. Il faut vraiment être proche. Faut vraiment être proche pour le fusil. Il y a des trucs partout, ça me rappelle les Fallout, il y a plein de trucs à fouiller partout. Donc du coup, ces gens-là, ces humains, ils travaillent pour les vampires, vu ce qu'ils disaient, j'imagine. Mort en eau trouble, éliminer tous les adeptes de la caserne. Voilà la station. Ça marche.
Alors, c'est quoi? Alors, jouer de votre façon. Il existe plusieurs manières de s'infiltrer de la caserne, s'occuper des adeptes pour entrer par le hangar, grimper sur le toit pour y trouver un point d'accès, crocheter la serrure de la porte arrière. Ok. Ça, c'est sympa, ça. Ça marche. Tu peux faire quelque chose, Bridon, ou pas? Alors, est-ce que tu peux te transformer en méca géant? Si tu peux pas, honnêtement, je vais être très très déçu. Les imbéciles, il n'y a pas d'issue. Suffit de voir le soleil. Si on trouve un truc intéressant, ils nous redonneront du sang. Allez! Ils nous redonneront du sang? Pas la peine de se presser. Ils iront nulle part. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des humains, mais ils boivent du sang aussi? C'est peut-être pour se transformer, je sais pas. Ça m'étonnerait que ça soit des... C'est des adeptes, c'est pas des vampires. Je sens que ça va partir en... En tuerie. Ça outil. Yo, il y a quelqu'un qui revient. Où est-ce qu'on peut passer pour... Bon, genre le toit. Merde. Pas moi. Il y a des gens qui me cherchent. On est fini par le trouver. Ok. Ils sont en train de me chercher. Ça, j'imagine que c'est peut-être des objets où il faut tirer dessus. Ça fait des... Genre plein de lumière ou des trucs comme ça, peut-être. Ok, ça c'est la porte d'arrière. Peut-être, je sais pas. Oh, fusil de chasse encore. J'entends quelqu'un qui tape, hein. J'ai besoin d'une clope, ok. Éliminer un vampire. Vous allez combattre votre premier vampire. Les armes ordinaires peuvent le blesser, mais il ne suffira pas de le vaincre. Il vous faudra une arme dotée d'un pieu. Une fois affaibli, le vampire deviendra vulnérable. Vous pourrez vous approcher à pied sur F pour lui enfoncer le pieu dans le cœur, le réduisant en cendres. Les vampires peuvent être tués par d'autres moyens qu'il vous reste à découvrir, tels que le feu et certains pouvoirs spéciaux. Ça marche. Donc, ok. Ok. Ok, donc les vampires sont techniquement invincibles. Ça, c'est pas mal, ça. Il faut à chaque fois des techniques pour les tuer. Il faut des pieux et tout ça. Il faut être équipé, quoi. Ça, c'est pas mal. Là, j'aime bien ça. Ok, on va avancer un peu. Ça, c'est quoi? En reconnaissance de son courage, sa force et sa vaillance, Association des pompiers de Massachusetts. C'est qui tape? Kit, on est plein. Il y a des morts. Oh, pardon. C'était pour être sûr. On va descendre, j'imagine. Oh. Est-ce qu'on peut le one-sh... Oh merde. Je... Vache. Oh,
Il est où? Merde, il est parti, il a fui. Non. Let's go. Tiens. Vache, la poussière que tu fais. Ça va pas m'aider pour mon allergie, ça. Bah nous, on te botte le cul. Ok, ok. Rémi, il va falloir retravailler sur tes punchlines. Parce que... Hein? Il va falloir retravailler un peu sur les punchlines. Tout petit peu. Tout petit peu. Alors, vous avez débloqué la première aptitude de Rémi. Sirène, appuyez sur A pour que Bribon, attire l'attention de ses ennemis à l'endroit ciblé. Vienne de la robotique, Rémi a assemblé un Bribon à partir de pièces de rechange et de prototypes, puis lui a apporté quelques retouches. Peu de temps après l'arrivée des vampires de Redfall, Bribon est un leurre actif et efficace, doté des capacités d'attention les plus envahissantes que Rémi ait pu trouver. Bribon peut encaisser de nombreux dégâts avant de tomber, mais Rémi peut aussi dérouler un kit de recablage pour le remettre sur pied plus rapidement. Au fur et à mesure que Rémi progressera, vous pourrez dépenser des points de compétences pour améliorer la sirène. Ça marche. La prochaine fois, tu lui mets genre une Gatling au machin. Honnêtement, je pense que ça serait plus efficace. Genre, j'ai une petite Gatling. Ou un lance-flamme. Lance-flamme, c'est pas mal. Bon, on a tué notre premier vampire, c'est cool. Ça devrait remettre les choses en route. Tiens, j'aurais pu le combattre... genre, pas dans le noir. C'est quoi ça? Ok, on va aller aider la personne qui tape. À moins que ce soit un piège. C'est où? C'est en haut? On ne peut pas vous faire de mal. Ah. Oh. Ça pourrait arriver. Vous savez pas ce que vous ratez. Vous sortez ou... Bon. Okay. J'aime bien les headshots et tout ça. C'est... Ah ça va, c'est marrant à faire en fait. C'est simple. Ça marche bien. Y a un côté un peu... Genre... fun de faire des headshots comme ça au pistolet, c'est marrant. Les adeptes sont partis ? Écoutez tous, vous pouvez sortir sans problème. Alors, moi aux autres missions réussies, sans expérience. Puissance des vampires sont repoussées. Ah ! Cinématique !